Val! Val! Val, réveille-toi! On est où, là? Maman, est-ce qu'il y a tout ce monde-là? Je sais pas, mon chéri. Reste proche de ta sœur. Qu'est-ce qui se passe? On est où? On s'est réveillé ici. Ils ont enlevé mon cellulaire. Qui sont elles? Aucune idée. Je sais même pas comment je suis arrivé ici. Marie-Fred? Qu'est-ce que tu fais ici? T'as déjà commencé à boire. On a pris un peu d'avance. C'est qui va conduire? On s'en fout. Quelqu'un est pas content, my bad. Des stress, Marie, c'est chill, on est pas... Décolle! Regarde, on est tout en état de conduire, de toute façon. Décolle, je t'ai dit! Bon, en face, moi. Ah ouais? T'inquiète. Tu éclates que ça t'a fait. Yes! Yes! On était sortis danser pour la fête à Émilie. On est restés jusqu'à la fermeture du bar. Puis après... Je m'en rappelle plus, là. C'était une grosse soirée. Après, on est allé manger au resto asiatique sur le plateau. Oui, puis après, on a collé un Uber. OK, puis vous deux, vous vous connaissez d'où? On est allés au soir ensemble. OK. Puis vous, vous êtes partenaire, c'est ça? Fiancé. Depuis 2 heures déjà. On allait... Désolée, là, mais je vois pas comment parler de nos vies va nous aider à sortir d'ici. Mais il y a sûrement une raison pourquoi on est ici les 10. Je veux dire... Si on arrive à trouver un dénominateur commun, on va peut-être comprendre ce qui se passe puis trouver une façon de sortir d'ici. Bonjour, chers participants. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que vous faites ici, mais surtout comment en sortir. C'est très simple, il vous faudra jouer au jeu. Parmi vous se cachent des gens qui ont commis des crimes pour lesquels ils n'ont pas été punis. C'est à vous, les innocents, de les trouver et de les éliminer. La porte se débarra lorsque tous les criminels seront morts. Je vous souhaite bonne chance et que le jeu commence. Non.
sais pas combien de temps on va être ici. Ah, on n'a pas d'eau, pas de nourriture. Fait que ça va être important de garder notre énergie. Comment on est supposé de savoir qui est un criminel ou pas? Là, on va pas commencer à s'accuser les uns les autres, OK? C'est exactement ça que ces malades-là, ils veulent. Ouais, mais vous avez entendu la même chose que moi. Si on joue pas au jeu, on pourra jamais sortir d'ici. On fait rien. On n'embarque pas dans ce jeu-là. Hey! T'es pas laissé à l'extérieur. Ici, c'est pas toi qui décide, OK? Hey! On va faire un vote, OK? Qui pense qu'on devrait pas jouer au jeu? On sait ce qu'on pique à pause. Moi, je suis pas pour. Je m'abstiens. Ça va? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai perdu ma job. J'ai perdu la seule chose qui... Anyway, je suis pas venue pour te parler de mes états d'âme. C'est quoi ça? Tu sais ce que c'est? J'en veux pas. Tu veux quoi, d'abord? Ça va prendre quoi pour que tu m'aides? Je veux juste que tu comprennes dans quoi tu t'embarques. Faut que quelqu'un paye, Chloé. On pourrait toutes les deux aller en prison. Faut que quelqu'un paye. Je vais le faire. Mais range ça, s'il te plaît. Merci. Sa fille. Comment ça, elle a quoi? De quoi elle a quoi? Je sais pas, moi, es-tu handicapée? Elle est juste anxieuse, OK? Elle est clairement pas juste anxieuse. Et à quoi ça vous dérange? De séquestrer, c'est ça qui t'énerve? Ce qu'on peut arrêter, vous l'agitez encore plus. Moi, je dis ça de même, là. Mais si tu refusais de jouer au jeu, il y a peut-être quelque chose à cacher. Elle va me rendre fou, cette fille. Elle a quand même raison, là. Moi, si j'étais criminelle, je voudrais clairement pas jouer au jeu. On a déjà voté. On va pas jouer au jeu, c'est clair? En même temps, policier en 2019, c'est pas qu'une fille, là. Wake up! Pourquoi t'es silencieuse de même? Hein? C'est quoi le problème? Hey, toi là, tu changes de ton quand tu parles à ma blonde. J'ai rien fait, je vous jure. Ça sert à rien de s'accuser comme ça. On peut-tu juste essayer de trouver une solution? C'est justement à ça que ça sert, jouer au jeu. Sortir d'ici, c'est ça la solution. Moi, je dis qu'on élimine la policière. Quoi? Je seconde. Personne va tuer personne. Ça va? Ça va. Penses-tu que c'est tout de quelque chose? Oui, c'est tout de même qu'on se connaisse. Tout va voir que vous apprenez aussi qu'à hey! De quoi vous parlez, là? C'est quoi l'affaire? On se calme, là? Juste aille la voir parce qu'elle a paniqué. Ah! 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 Ah!
Elle est où? On a... Elle a disparu! On n'a éliminé personne. C'est le jeu que l'a fait pour nous. Qu'est-ce que tu dis là? Je suis capable de comprendre. Est-ce que ça veut dire que Chloé faisait partie des criminels aussi? Ça vous fait pas capoter de savoir qu'il y a peut-être un criminel ou un violent parmi nous? Je suis sûr que c'est elle. Moi, je suis sûr que c'est toi. Guys! On élimine la policière. Quoi? Répète donc ça. Et on va pas commencer à se monter les uns contre les autres? C'est exactement ce que les gens qui nous ont enfermés ici veulent. Il y a quelque chose qui marche pas avec votre famille. Personne touche ma famille, c'est ça. On vous a entendu chuter tout à l'heure. De quoi vous parlez? Come on, guys, c'est nous contre eux, là! Quoi? On vous a entendu parler tantôt. Ensemble, on a la majorité. On a juste à les éliminer. OK, les filles, arrêtez ça tout de suite. Qui vote pour éliminer la policière? Gros mari, c'est parce que nos vies sont en danger. C'est le seul moyen. Je peux pas faire ça. Quand même, Marie, on a besoin de ton vote. Je peux pas faire ça. Marie, on les connaît pas, ces gens-là, on s'en fout. Si on fait rien, c'est le jeu qui va décider à notre place. Faut me demander de tuer délibérément quelqu'un. C'est pas délibérément. C'est quelqu'un à l'extérieur de ces murs-là qui nous oblige à le faire. Non. Allez, Marie. Non. Juste non. Je peux pas tuer. Je peux pas faire ça. Fille! Carl! On peut pas! La dernière fois, ça... Je serais pas capable d'entrer ça une deuxième fois! La culpabilité me tue! Qu'est-ce que tu veux dire? C'est nous! C'est nous les criminels! On avait bu. On n'allait pas très vite. On était jeunes. On voulait pas. Tout notre futur allait être gâché. C'est facile de continuer à vivre sa vie quand on ne connaît pas les conséquences de nos gestes. Vous avez même pas pris la peine de vous arrêter pour voir qui vous aviez frappé. Pendant 5 ans, j'ai dû réapprendre à parler puis à marcher. Chloé, je pense qu'on est prêts.